plume de bison. Tu ne devineras jamais. Ah, fais attention, Yakari. T'as fait dévier mon tir. Ça alors? Mais en pleine cible. Le chef m'a choisi pour trouver un emplacement d'hiver pour le campement. Il devine. Quoi? Allez, devine. Je peux emmener qui je veux. Tu m'accompagnes? Hein? Bien sûr. T'as besoin d'un bon tireur à l'arc pour te protéger. Oui, bien sûr. Oh, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Tu peux entrer au campement, tu sais. Ah, là, c'est bien. Ici, c'est pas mal. Là. Non. Regarde de là. C'est bien plat pour planter les tipis. Oui, mais le terrain n'est pas protégé des vents du nord. Il y a des risques d'inondation si la rivière déborde. On cherche depuis ce matin et rien ne te convient. Pas assez abrité, trop près ou trop loin de la rivière, pas assez plat. Et alors, j'y peux rien. On n'y arrivera jamais. Oh. Ta mauvaise humeur énerve même éclair vif. Ah tiens, il y a une falaise là-bas. Cette vallée est invisible de la plaine. Aucun sou ne s'est aventuré par ici. Bien abrité et orienté au sud. C'est l'endroit idéal pour la tribu. Regarde, les traces d'un campement. Les braises sont encore chaudes. On dirait que ceux qui étaient là sont partis précipitamment. C'est inquiétant. De quoi as-tu peur? On a trouvé la clairière rêvée et tu veux qu'on s'en aille? Le soir va tomber. Je propose qu'on passe la nuit ici. Allez, n'aie pas peur. Avec moi, tu ne crains rien. On dirait une voix de femme. Regarde. Un esprit. Je suis esprit de lune. Installons-nous là pour le reste de la nuit. Éclairs vifs et petites nerfs veilleront sur nous. Heureusement qu'avec toi, et je ne crains rien. On va retourner dans la clairière et éclaircir ce mystère. Mais si esprit de lune réapparaît? Tu sais, s'il y a un esprit de lune, il ne reviendra qu'avec la nuit. Ça nous laisse du temps pour faire des recherches. Yakari, c'est peut-être pas la peine d'y retourner tous les deux. Je vais rester ici et garder les chevaux. Tu m'appelles si t'as besoin de moi. Personne n'y a touché. Hé! Ne te sauve pas! J'ai une question à te poser. Bonjour, je m'appelle Yakari. Toi qui vis ici, tu connais peut-être Esprit de Lune? Non, je ne vois pas de qui tu veux parler. Va-t'en, tu n'as rien à faire ici. Mais je ne te veux pas de mal. Je suis ton ami. Tu vois, je parle ta langue et je... Alors, tu parles ma langue, en effet, cela ne prouve rien. Et mon ami, c'est Douce Mère. Hey, bonjour la loutre. Toi, tu n'as pas intérêt à faire du mal à Douce Mère ou tu auras affaire à moi. Mais attends, petit coyote. Qui est Douce Mère?
T'as pas besoin de le savoir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? D'habitude, les animaux sont plus gentils avec moi. Esprit de lune, douce mère. Je veux savoir ce qui se passe. Et j'ai une idée. Retournons dormir cette nuit dans la clairière. Quoi? C'est ça ton idée? Et si Esprit de lune revient? Qu'il revienne. Cette fois-ci, ce ne sera pas pareil, parce qu'on attendra sa venue de pied ferme. Arrête de claquer des dents. Tu vas faire rater notre plan. L'esprit de lune est là. Réveillez-vous, misérable. Vous, esprit de lune va vous emporter au loin. Tu vois, graine de bison, ce n'est pas un véritable esprit. Un esprit serait passé à travers les mailles du filet. Au secours! Délivrez-moi! Oh! Je suis désolée. Nous ne voulions pas te faire de mal. Yakari, regarde! Tout va bien, mes amis. Ce ne sont que des papouses. C'est toi, douce mère? Pourquoi cherches-tu à effrayer les humains? C'est une longue histoire, mon petit. Je vivais heureuse dans ma tribu, mais quand celui qui partageait ma vie a rejoint les territoires des chasses éternelles, j'ai préféré rester seule. Je me suis installée dans la grotte qui est un peu plus haut dans la falaise et j'ai occupé mon temps à recueillir les animaux blessés, les soignant, leur donnant l'amour d'une mère. Et pour être plus tranquille, tu as créé Esprit de lune pour faire fuir les rôdeurs et les curieux. Oui, je préfère la compagnie des animaux. Je fuis celle des humains. Je ne veux pas qu'ils s'installent près de moi et de me protéger. Mais notre tribu n'est pas comme ça. Personne ne te ferait du mal. Il est tard. Toutes ces émotions m'ont épuisé. Vous allez prendre un peu de repos et vous repartirez demain. Ah, merci. C'est bon. Douce mère, laisse ma tribu venir s'installer dans la clairière pour l'hiver. Tu seras traitée par tous avec grand respect. Et tes amis animaux aussi. Tu seras adoptée par la tribu et tu n'auras plus besoin de t'inquiéter de rien. N'insiste pas, Yakari. C'est non. Je ne veux pas d'humains dans cette clairière. Et je te demande de garder le secret. Promets-le-moi. D'accord. Je promets de ne rien dire. Je peux en avoir encore un peu? Tu dois promettre toi aussi, graine de bison. Ah oui, c'est promis. Ça m'inquiète beaucoup de la laisser. Elle est très âgée et les hivers sont rudes. Cet oiseau, on dirait qu'il nous cherche. Hé, le collier de douce mère, il lui arrivait quelque chose. C'est toi, Yakari? Il faut aider notre douce mère. Elle est tombée et elle a une jambe cassée et ne peut plus bouger. Graine de bison, réveille-toi. Douce mère a eu un accident. Va chercher notre homme médecine et ramène-le à la clairière, vite. Moi, je retourne près d'elle. Dis, Yakari, tu crois qu'elle va se réveiller? Tout va bien, ne bouge pas, douce mère. Ta jambe est cassée. Graine de bison va venir avec l'homme médecine de notre tribu. Nous allons t'emmener chez nous et ma mère, Tresse de nuit, veillera sur toi. Oh non, je ne veux pas rejoindre votre tribu. Je ne veux pas vous quitter, mes enfants. Mais ce sont eux qui m'ont demandé de prendre soin de toi.
Bon, d'accord. J'irai dans la tribu, mais je reviendrai dès que je pourrai marcher. Hein? Voilà celui qui sait. C'est un grand homme médecine, tu peux me croire. Honte. À bientôt, mes enfants. Voilà, j'ai suivi ta recette, douce mère. Je peux en avoir? Bien sûr. Serre-toi. Douce mère, celui qui sait va retirer ton attelle et tu vas pouvoir marcher à nouveau. Vous avez tous été si gentils avec moi que j'ai oublié.